Bonjour les saisonnières et les saisonniers. Je suis ravie une fois de plus de vous retrouver aujourd'hui. Assise dans un jardin public pour vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc vous allez sûrement entendre un peu du bruit, des oiseaux, tout. Donc voilà. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui nous est courant, surtout pour nous les femmes qui travaillons dans la cuisine. Lorsque nous préparons la nourriture dans la cuisine, cela nécessite de toucher beaucoup d'ingrédients qui ont une forte odeur et même aussi parfois désagréables. Donc on a les aliments comme l'ail, l'oignon, le poisson et les autres, certains autres ingrédients que nous touchons qui ont une vilaine odeur et qui restent très longtemps sur nous-mêmes malgré qu'on les a lavés avec du savon et de l'eau. Alors, on se rend compte que l'eau et le savon n'arrivent pas à neutraliser ces odeurs. Il existe aujourd'hui plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour éliminer une mauvaise odeur de vos mains. Alors, nous allons voir aujourd'hui quelques astuces qui peuvent nous aider à enlever la mauvaise odeur sur nos mains. La première méthode, c'est de se frotter les mains avec du sel. C'est une petite quantité de sel dans vos mains et frottez bien les deux mains ensemble. Vous pouvez ajouter juste un peu d'eau pour humidifier et vous frottez encore convenablement. Lorsque vous allez finir, rincez-vous les mains pour éliminer le sel et séchez-les. Frotter vos mains avec du jus de citron est une façon naturelle et efficace d'éliminer les odeurs. Vous pouvez utiliser du jus de citron pur ou bien le diluer dans un peu d'eau pour réduire son effet agressif sur votre peau. Vous pouvez encore presser le jus de citron dans un bol d'eau et faites tremper vos mains dedans. Et notez qu'avec cette méthode, vos mains sentiront le citron et elles seront même encore un peu plus douces. En dehors du citron, vous pouvez aussi utiliser du jus de mandarine ou d'orange fraîchement pressé. Le vinaigre aussi est très efficace pour éliminer les odeurs comme le poisson ou l'oignon. Mettez un peu de vinaigre dans vos mains. Laissez vos mains sécher à l'air libre. L'odeur du vinaigre disparaîtra une fois qu'elles seront sèches. Mais si ce n'est pas le cas, lavez-vous simplement les mains avec de l'eau et du savon. Vous pouvez aussi faire une pâte avec du vinaigre et de la levure chimique. Donc, mettez cette pâte dans vos mains. Frottez convenablement vos mains avec cette pâte pour neutraliser l'odeur. Ensuite, rincez-vous les mains avec l'eau froide. L'odeur devra avoir disparu. Frottez vos mains avec du bain de bouche est une autre méthode simple pour neutraliser les odeurs fortes. En plus de neutraliser les éléments à l'origine de l'odeur, le bain de bouche peut tuer les bactéries pouvant provoquer les odeurs sur vos mains. Les bains de bouche parfumés donneront également à vos mains une odeur de menthe qui pourra masquer toute odeur restante. Il y a aussi une méthode qu'on peut utiliser avec un objet en inox pour faire partir les mauvaises odeurs. Donc cette méthode est particulièrement efficace contre les odeurs de l'ail et de l'oignon. Donc vous devez chercher un objet en inox, que ce soit n'importe quel article en acier oxydable. Par exemple, un couvert de marmite. Utilisez ce couvert, frottez-vous vos mains simplement avec ça. Par la suite, lavez-vous vos mains et vous allez voir que l'odeur sera partie. Donc, vous pouvez aussi acheter un savon d'acier. Vous frottez vos mains avec ce savon sous l'eau froide pour faire disparaître toutes ces mauvaises odeurs. Qu'il s'agisse d'odeurs du poisson, d'oignon, d'ail, de poireau ou toute autre odeur très résistante, le savon d'acier les élimine sans effort. Pour enlever les odeurs d'oignon, d'échalotes sur les mains, frottez-vous les mains avec du bicarbonate de soude. Mouillez-vous les mains sous une mince filet d'eau. Frottez-les avec du bicarbonate de soude. Rincez vos mains par la suite, quelques minutes après. Et voilà, vous êtes complètement débarrassé des mauvaises odeurs sur vos mains. On peut aussi utiliser du dentifrice pour enlever les mauvaises odeurs nauséabondes de nos mains. Prenez un peu du dentifrice sur vos doigts.
Frottez vos mains avec cette pâte. Rincez quelques minutes après avec de l'eau claire. Les mauvaises odeurs auront disparu de vos mains. Une autre astuce encore plus économique pour enlever les mauvaises odeurs sur vos doigts est d'utiliser le marc de café. Prenez simplement un peu de marc de café dans les mains. Frottez-les pour faire disparaître les mauvaises odeurs. Observez quelques minutes. Rincez vos mains par la suite. Et voilà, vous avez éliminé toutes les mauvaises odeurs de vos mains. Le marc de café est un produit gratuit et économique qui sert à plein de trucs, y compris à se débarrasser des odeurs désagréables sur les mains. En lavant vos mains avec du marc de café dans l'évier, vous enlevez les odeurs sur vos mains et en même temps, vous nettoyez les canalisations. Enfin, fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Dorénavant, mesdames, messieurs, les cordons bleus, n'hésitez plus à utiliser vos mains pour couper vos ingrédients de cuisine, les poissons et autres, pour faire votre cuisine. Nous avons vu qu'il y a juste quelques astuces avec des ingrédients que nous avons, que nous pouvons utiliser pour faire partir les mauvaises odeurs. Donc, avec ces petits trucs, l'odeur va disparaître complètement et rapidement et vos mains sentiront une odeur très agréable. Vous avez peut-être d'autres astuces que vous utilisez, mettez en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo à plusieurs femmes, hommes qui aiment aussi la cuisine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite un agréable moment. Portez-vous bien, mes amis. Au revoir et à bientôt.